appels. It is now time for question period. Période de questions. Député de Nipissing. Merci. Bonjour. Bonjour, Première ministre. Ma question s'adresse à vous. Aujourd'hui, la vérificatrice générale va présenter son rapport annuel à l'Assemblée. Il y aura les pratiques comptables de la province, la dette que vous avez doublée au cours des 11 dernières années, qui atteint presque 300 millions de dollars. Et vos dépenses, maintenant, vous dépensez 11 milliards de dollars en intérêts sur la dette au lieu d'investir en santé, infrastructure, éducation. Votre gouvernement, vous avez reçu. Qu'est-ce qu'il y a finalement comme scandale? Est-ce que ça sera Mars? Les compteurs intelligents, combien allez-vous ajouter aux dépenses inutiles de la province? J'ai hâte de voir le rapport de la VG qui sera déposé cet après-midi. Comme le député d'en face l'a mentionné, l'opposition chahute a dit qu'on ne veut pas le rapport finalement. Je crois que la VG joue un rôle important qui jette la lumière sur les enjeux importants du gouvernement. J'ai hâte de voir son rapport. Nous voulons voir plus de responsabilisation et le travail qu'elle fait. C'est la définition même de la responsabilisation. Parce que nous voulons la responsabilité, c'est pour ça que nous allons adopter le projet de loi 8 aujourd'hui, qui va permettre d'avoir une transparence sans précédent. Et la vérificatrice est là. Il y a des mesures en place qui seront améliorées pour en avance, en amont de l'adoption du projet de loi 8. Première ministre, votre réponse au rapport de la BG. L'année dernière, vous avez reçu une note de faiblesse pour les services d'ambulance et les cours après l'école. À tous les enjeux, vous avez refusé de prendre au sérieux ce rapport. On s'est attaqué également avec vos pratiques douteuses de comptable avec Toronto Northland. Vous avez dit que vous alliez faire de l'argent alors que la vérificatrice a dit que cela allait vous coûter 820 milliards de dollars. C'est un manque de 1 milliard de dollars dont vous parlez. Nous voulons davantage de redevabilité. Allez-vous vous engager à suivre les recommandations de la BG et agir en mettant l'accent, comme tout le monde, ce à quoi s'attend de la Première ministre? Nous allons prendre son rapport très au sérieux. On le fait toujours et en fait, nous allons mettre en œuvre les recommandations, ses suggestions et travailler avec elle. Et c'est l'élément clé, c'est-à-dire reconnaître que la VG jette un œil neuf sur la province, travaille avec les ministères pour mitiger les préoccupations qu'elle pourrait avoir et travaille également avec les ministères. Intervention du président. Il semble qu'il y a une conversation permanente entre Lise Grenville et la ministère du Conseil du Trésor. Nous voulons s'attaquer aux problèmes soulevés par la VG. C'est le lien naturel entre le gouvernement et la VG. Tous les gouvernements, on le prend son rapport très au sérieux. J'ai hâte de voir le rapport. La VG n'est pas la seule. En passant un jugement sur les mesures de comptabilité douteuses, Statistique Canada dit qu'en 2008 et 2012, a cumulé un déficit de 48 milliards de dollars, 10 fois plus que les autres provinces. Quelqu'un de l'université a dit que la pire province au pays sur le plan économique à cause des travesties des politiques, diminuer les investissements, diminuer la croissance économique, tuer les emplois et finalement les finances publiques sont détériorées. Nous voulons la prospérité, meilleure qualité de vie et plus grande responsabilisation du gouvernement.
le moment est venu peut-être de faire passer l'Ontario en premier, non? C'est excellent en idée. Arrêtons de jouer les jeux politiques. Voyons, nous savons très bien que l'Ontario est le premier endroit dans le monde pour les investissements étrangers. Nous avons repris plus de 450 000 emplois. La réalité que dans la seconde partie de la période des questions, intervention du président, lorsque la question a été posée, tout le monde se taisait. J'ai vu la même chose pour la réponse. À la réalité, la deuxième partie, il y aura des questions du même parti, des investissements dans leur circonscription, les infrastructures dans leur circonscription, partenariat avec les entreprises de ces circonscriptions. Essentiellement, les gens d'en face comprennent très bien que les piliers de notre plan, les investissements dans les ressources, dans les personnes, sont exactement ce que l'Ontario doit faire pour restaurer l'économie et le climat économique de l'Ontario. Nouvelle question. De retour à la première ministre, au cours des deux dernières semaines, on en a entendu d'un grand nombre de petites entreprises de la province et leur message est clair. Ils veulent avoir un allègement fiscal pour prospérer. Concernant les formalités administratives, la facture d'électricité, nouvelles ponctions fiscales sur la rémunération telles que pour la retraite, 94 % des petites entreprises veulent que vous éliminiez les formalités administratives et un autre veut que vous diminuez la facture d'électricité. Un autre dit 50 % disent que la pension va couper les emplois. Réponse? J'ai hâte d'entendre le ministre de l'Infrastructure, du Développement économique. Les petites entreprises d'Ontario ont un partenariat avec les petites entreprises à l'échelle de l'Ontario. Elles en ont bénéficié du Fonds de développement de l'Est, de l'Ouest, investissement en technologie, ont bénéficié également d'une main-d'œuvre hautement compétente et qualifiée. Je voudrais revenir sur le régime de retraite de l'Ontario. Ce que le député dit que le RPC, c'est une taxe. Ce n'est pas une taxe. C'est un plan qui va permettre à la population d'économiser pour qu'ils aient une garantie de vieillesse. Voilà ce qu'est ce plan. Les gens en ont besoin. Les gens, à l'échelle du pays, n'économisent pas suffisamment. Nous prenons des actions parce qu'il y a des gens en épicine qui ont besoin de cette retraite complémentaire. Première ministre, le pire exemple est que vous n'écoutez pas les petites entreprises et la taxe sur les retraites. Voici ce qu'un professeur de l'Université de Carleton dit. En forçant les employeurs et les employés de fouiller dans leur poche pour la retraite, va éliminer l'entre l'économie, éliminer la discrétion des employés, éliminer également la possibilité d'économiser là où ils veulent. C'est contre les Ontariens et c'est pas bien pour la stimulation économique et cela va pas faciliter le travail des entreprises pour prospérer. Voulez-vous faire ce que doit et mettre votre plan de retraite sur l'étagère? Ministre, associé aux finances. Les gens le savent très bien. Ce n'est pas une taxe, c'est un investissement dans l'avenir de l'Ontario. Donc, le plan de retraite de l'Ontario, c'est un investissement dans l'Ontario. Un investissement à long terme dans l'Ontario va aider 3 millions de personnes qui n'ont pas de régime de retraite au travail. En fait, des études ont été publiées. On soulignait l'important d'éliminer l'écart entre les économies. Il faut s'attaquer à ce problème, faire preuve de leadership. Selon le Bureau économique du Canada, 6 sur 10 n'ont pas suffisamment d'économies pour la retraite. 50 % pensent qu'ils ne sont pas préparés pour la retraite. Intervention du président. Député de Prince Edward Hastings, vous êtes en contact avec moi.
Veuillez poursuivre. Sans mesure aujourd'hui, cela va créer de l'incertitude au Canada et au Québec. Nous prenons des mesures en Ontario. Complémentaire. Les Ontariens méritent d'avoir une retraite confortable, mais il y a d'autres façons dont le gouvernement peut en faire une réalité au lieu d'ajouter une ponction fiscale, comme la facture d'électricité qui va augmenter de 43 % Intervention du président, arrêtez la pendule. Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires rurales est averti. Veuillez poursuivre. 11 milliards de dollars en formalités administratives, plus la taxe de la CESPAT qui coûte des milliards aux entreprises. C'est pas étonnant que nous avons plus de 2000 entreprises en Ontario uniquement. Ce n'est pas la façon d'aider les petites entreprises. Et finalement, l'Ontario deviendra une province pauvre, comme la création d'emplois. Voulez-vous risquer encore davantage d'emplois pour sauver le vote? C'est l'endroit le plus cher au Canada. Faites donc passer l'Ontario en premier. Monsieur le Président, le député d'en face ne parle pas de la réalité des faits. Le gouvernement veut renforcer l'économie tout en prenant les bonnes décisions pour régler les problèmes. Notre gouvernement a confiance envers les entreprises. C'est le premier choix pour les investissements étrangers en Amérique du Nord. Et la fiscalité ontarienne, c'est l'une des plus concurrentielles des pays de l'OCDE. Et avec le dépôt du programme de retraite, c'est une façon d'investir en Ontario pour construire Ontario. Lorsque les gens prendront leur retraite, les gens auront des revenus et pour continuer à investir, c'est ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire renforcer le climat économique de l'Ontario. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Le gouvernement libéral coupe les services de garde sud-burés, par exemple. Leur budget a été coupé de 2 millions de dollars. Un autre 3 millions de dollars qui sera coupé également. Le ministre libéral a dit qu'elle ne comprend pas le problème. Je vais vous expliquer. Les coupures disent que les centres municipaux ferment et les pères et les mères se réveillent la nuit pour essayer de comprendre où leurs enfants iront en garderie. Ma question, pourquoi cette première ministre ferme les garderies en Ontario? Monsieur le Président, c'est ce que le gouvernement fait. Nous offrons des espaces de garderie à temps plein. Des dizaines de milliers d'enfants auront accès à des programmes de maternelle ou de prématernelle à temps plein. En outre, comme on l'a dit plus tôt avec la loi sur la refonte des services de garde adoptée en cette Chambre, nous allons maintenant avoir plus de 6 000 espaces de garderie agréés, sécuritaires et permettre à plus de familles d'avoir accès à des services de garde. Le contraire, en fait, à ce que vous dites, à ce que le troisième parti dit. Nous avons travaillé avec les acteurs du milieu. Nous savons que la maternelle a temps plein et qu'il y a maintenant une transition. Mais des milliers d'enfants davantage ont accès à des services de garde ou des maternelles à temps plein complémentaires. C'est comme le régime dentaire pour enfants qui a été coupé. Les libéraux parlent d'investir dans les services de garde. Voici la réalité. Le gouvernement libéral coupe les services de garde à l'échelle de l'Ontario. Le dernier exemple, c'est Sudbury. De nouveaux investissements ne sont pas là. Le directeur municipal dit que Sudbury va... Alors, intervention du président. Veuillez poursuivre. Les services municipaux et son directeur n'ont vu aucun nouvel investissement
c'est-à-dire que les pères et les mères sont inquiets. Et avec raison, lorsque l'enfant aura les services de garde la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, est-ce qu'elle est fière de fermer les espaces de garderie et laisser finalement en plan les parents? Je vais reprendre certains éléments. Ce qu'elle a fait, son attaque, à la réalité que 75 d'enfants recevront davantage de soins dentaires préventifs. Et la réalité, elle a tort en termes de perte de services dentaires. On veut s'assurer que les enfants qui reçoivent des services dentaires vont les recevoir sur une base continue. Les services sont là, le programme est clair, ces coupures ne sont pas là. Elle avait tort. Elle a tort également en service de garde depuis 2003. 90 % d'augmentation dans le financement en ce service de garde, près d'un milliard de dollars en fait. On est passé de plus de 500 millions de dollars à plus de 1 milliard de dollars. Je ne connais pas la situation à cette période. Je ne sais pas pourquoi elle parle. Intervention du président complémentaire. Avoir des services de garde abordables, c'est déjà un cauchemar pour les parents. Dans le sud-ouest, les familles de Sania voient le garderie qui a fermé le mois dernier dans le nord. Les familles de Sudbury vont s'attendre à voir la fermeture des services municipaux de garderie. Et à Toronto et à Kingston, ont le même problème avec plus de 500 enfants sur la liste d'attente. Au lieu d'avoir d'investissement, ils ont perdu 137 000 espaces de garderie. Il y a 500 enfants sur la liste d'attente. Les services de garde disparaissent et les familles ne savent pas quoi faire. C'est le chaos. Et finalement, ceux qui écopent, ce sont les enfants, les parents, les familles. Je veux savoir, est-ce que cette première ministre croit que c'est progressif de fermer les garderies sans but lucratif à l'échelle de la province? Réponse à la première ministre. Comme j'ai dit, je sais pourquoi la chef du troisième parti parle de Sudbury, parce qu'il n'y a pas un député de Sudbury en ce moment. Et depuis 2003, le financement pour les garderies a augmenté. Intervention du président. I'll wait. Je vais attendre. Finish, please. Oui, terminé. Le financement à Sudbury depuis 2003 a augmenté de 110 % de 75 millions. Alors, Monsieur le Président, la réalité, c'est qu'on a augmenté le financement aux soins de garderie. Et en fait, on a aussi le programme de maternelle à temps plein. Donc, il y a un changement pour les services de garderie dans la province parce que les enfants de 4 et 5 ans qui étaient dans la garderie sont maintenant dans les maternelles. C'est un modèle différent. Mais il y a plus de place et plus d'argent. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti pour la première ministre. La vérificatrice générale va déposer son rapport aujourd'hui et quand on a demandé, les libéraux ne semblent pas avoir trouvé les plans d'affaires pour mars. Et ils ne savaient pas s'ils allaient recouvrer les millions de dollars de bons de la ville de Toronto. Quand la vérificatrice générale a frappé la porte, est-ce qu'elle a reçu ce cas d'affaires? Merci, Monsieur le Président. Je dois corriger. C'est 7,5 millions à 15,8 millions de dollars. Monsieur le Président, en termes du rapport de la vérificatrice provinciale, je vais dire ce que j'ai dit aux gens du Parti conservateur. J'ai hâte de voir son rapport et elle va étudier le fonctionnement du gouvernement des différents domaines et il va le faire en travaillant avec le ministère et les ministères ont travaillé avec eux pour dire ce qu'on fait pour répondre aux préoccupations de la vérificatrice générale et ce qu'on va faire pour pallier à ces problèmes. Merci.
Question complémentaire. La vérificatrice générale va déposer un rapport sur les soins de garderie. Quatre enfants sont morts en Ontario depuis 2013. Et aucun parent ne devrait avoir cette tragédie. Pour moi, en tant que maire, je trouve ça difficile. Maintenant, on va avoir des places de garderie sans but lucratif, seront fermées. Donc, il y aura plus d'enfants dans des garderies non agréées. Est-ce que la première ministre pense que de réduire le financement et en fermant les garderies publiques, ça, c'est la politique publique bonne pour la province de l'Ontario en 2014? La ministre de l'Éducation répondra. Je pense qu'il faut traiter avec les faits. Le financement pour les garderies en Ontario a doublé $1 milliard depuis 2003. On a créé 130 000 places additionnelles dans des garderies agréées. Depuis 4 ans, la création de places de garderies agréées a été de 18 000 nouvelles places par année. Et en plus, 265 000 enfants sont dans les enfants de 4 et 5 ans dans la maternelle à temps plein. Ça, c'est pas coupé, ça, c'est ajouter des places. Merci. Question complémentaire. Et aussi, la vérificatrice va parler sur les compteurs intelligents qui n'ont pas réduit la consommation d'électricité dans la province. Et les factures continuent à augmenter. Les gens sont stressés, en particulier les aînés et les gens à revenus limités. Est-ce que la première ministre va avouer que les compteurs intelligents ne sont pas un programme intelligent? Le ministre de l'Énergie. Merci. Je suis très content de répondre à cette question. Des études ont démontré que les gens épargnent de l'argent avec des compteurs intelligents. Et non seulement ils épargnent de l'argent, le système donne des avantages. Interruption du président. Merci. Continue. Comme je disais, des études ont démontré que la tarification selon l'horaire a réduit les périodes piques entre 2 à 5 % De plus, ça génère beaucoup d'épargne. On alerte les services publics quand il y a les dignes qui sont tombées. On envoie des travailleurs pour restaurer de l'énergie. Et donc, il y a beaucoup d'avantages. Merci. Nouvelle question? La députée de Whitby-Oshawa. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Il y a des préoccupations quant au tourisme médical depuis 2011 par plusieurs organismes de la santé, entre autres l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario. Cette pratique où certains établissements de santé attirent des patients d'ailleurs sur une base de liquide est tout un problème. On n'a rien fait pour arrêter. En avril 2013, la ministre de la Santé précédente a démontré son appui. Vous avez envoyé une lettre aux organismes de soins de santé, et je cite, pour ne pas faire des mises en marché à des services. Monsieur le ministre, quand est-ce que vous allez interdire le tourisme médical? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, j'apprécie la question de l'opposition. En fait, on a demandé aux hôpitaux d'arrêter cette pratique, de faire solliciter des patients de l'étranger qu'ils viennent pour utiliser nos établissements de santé. On ne parle pas des fonctions que nos hôpitaux jouent pour avoir des cas humanitaires, comme le fonds Herbie à l'hôpital des enfants malades de Toronto. Il faut que ces programmes continuent. On parle d'une catégorie spécifique des gens qui décident de payer
pour avoir accès à un hôpital de la province. Je dois dire, c'est un petit nombre d'hôpitaux qui, à date, se sont lancés dans cette pratique. Il y a des principes spécifiques et je vais les mentionner. Mais on a terminé cette pratique, en particulier dans la sollicitation et mise en marché. Monsieur le ministre, c'est clair que votre gouvernement ne prend ça au sérieux. En 2012, la première ministre présidente de la Santé a prévenu que les hôpitaux ne pouvaient pas pouvaient seulement traiter les patients si on n'utilisait pas l'argent du public. Et on n'a pas suivi cette pratique parce qu'il y a eu une autre lettre en août 2014. Il n'y a pas de conformité. Et maintenant, il y a une nouvelle lettre. Il n'y a pas de raison de croire qu'il y aura de la conformité cette fois-ci. Est-ce que vous allez déposer des mesures législatives interdisant le tourisme médical ici en Ontario? Réponse du ministre. Monsieur le Président, peut-être la députée d'en face n'a pas lu ma lettre et je peux lui donner une copie. C'est clair. On ne veut pas que nos hôpitaux fassent de la sollicitation et de la mise en marché pour des services médicaux pour des étrangers. Il y a 2 ans, on a lancé une lettre du ministère suivie par une lettre en août. Il ne fallait pas utiliser l'argent du contribuable et on ne pouvait pas enlever des soins aux citoyens ontariens. Et ça ne devrait pas avoir un impact. Nous sommes allés plus loin. On a lancé un examen. Ma prédécesseur, la présidente du Conseil du Trésor, qui a lancé cet examen. Et on avait besoin des renseignements. On a terminé la pratique. C'est terminé. Il n'y a pas de questions. Merci. Nouvelle question, député de Burnley-Gore-Mountain. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs. Hier, les néo-démocrates ont déposé une motion qui demande au gouvernement d'arrêter des pratiques prédatoires de prêts de jours de paye. Et cette motion bannit des échanges de cartes cadeaux et la réduction des frais. Est-ce que le gouvernement sera d'accord et va appuyer cette motion ou est-ce que ce gouvernement sera du côté des prédateurs, de l'industrie des prêts prédateurs? Le ministre des Services gouvernementaux et des services aux consommateurs. J'apprécie la sursimplification de la question. On a pris des mesures sur cette question-là, en particulier quant à Manny Mart. On leur a dit et on a montré de notre manque de plaisir. Ils ont arrêté cette pratique tout de suite. Il faut qu'on revoie les choses davantage, comme le député le sait. Les taux de prêt et l'aspect des cartes cadeaux ne violent pas la loi sur les prêts de jour de 2008. Il n'y a pas de province dans ce pays qui a la revente des cartes cadeaux comme une partie. On va revoir la question. On va voir la revente des cartes cadeaux dans la province de l'Ontario. Merci. Question complémentaire. Souvent, de faire ce qui s'impose peut être simple. D'interdire la pratique de donner des cartes cadeaux à 50 % de la valeur de la carte, c'est un des domaines où on peut changer les prêts de jour. Et je penserais que de forcer les gens qui ont des problèmes pendant la saison des fêtes, des problèmes d'argent, les aider, ça serait facile de protéger les Ontariens. Mais ce gouvernement n'est pas engagé à défendre les gens. Dans notre motion, nous avons proposé des réformes modestes pour l'industrie des prêts de jour. Pourquoi ce gouvernement ne s'engage pas à voter pour cette motion pour démontrer qu'on appuie nos gens vulnérables? Merci. Réponse du ministre. Nous voulons protéger les consommateurs de la province de l'Ontario. On a fait une consultation avec le secteur plus tôt cette année, avant l'élection, et on va agir dans le nouvel an sur des changements proposés
Quant aux mesures législatives, nous avons un nouveau projet de loi qu'on va déposer quant aux prêts de jour avec des normes plus élevées pour protéger les consommateurs. On va revoir la question de la revente des cartes cadeaux et il y a du fait qu'il y a des cartes cadeaux qui sont prises pour du liquide. C'est une infraction de la loi. On a demandé de cesser cette pratique, ils l'ont fait, et on va avoir d'autres moyens pour assurer que les gens reçoivent les fonds nécessaires et qu'ils puissent respecter la loi. Merci. Une belle question, la députée d'Ottawa-Orton. Ma question s'adresse à la ministre associée de la Finance. Dans les deux semaines, on a eu des études du Conference Board. Et selon le Conference Board du Canada, seulement 6 sur 10 Canadiens mettent de côté de l'argent pour la retraite et ils n'ont pas assez. L'étude de Manuel Vie révèle que presque la moitié des Canadiens s'attendent à avoir des dettes à la retraite. Et certains de mes résidents ont exprimé des préoccupations pendant ma campagne électorale sur l'impact que la retraite aura pour les enfants. Vous avez déposé une mesure législative pour aider et pour changer le système de retraite. Est-ce que vous pouvez informer la Chambre comment ces nouvelles mesures vont renforcer le système de la retraite? La ministre associée des Finances. Et merci à la députée d'Ottawa-Orléans qui travaille avec acharnement. Les problèmes de passer d'épargne dans ce pays, c'est une menace. C'est pourquoi j'étais content d'avoir déposé la loi sur le régime de retraite de la province de l'Ontario qui crée un outil d'épargne pour la population de la province pour qu'ils puissent avoir de la sécurité de revenus pendant la retraite. Cette loi engage le gouvernement à établir le régime de retraite de la province de l'Ontario d'ici 2017, le 1er janvier, et on achasserait dans la loi certaines des mesures clés. Et donc, c'est une solution établie en Ontario pour pallier au problème qu'il n'y a pas assez d'épargne des Ontariens. Et c'est impératif qu'on agisse tout de suite et c'est ce qu'on fait avec ces mesures législatives. Pour la réponse, je suis très content de voir que le gouvernement prend une mesure pour répondre à cette question. Je sais que mes concitoyens ont hâte de savoir quelles sont les mesures que notre gouvernement prend pour répondre à cette question de problématique des épargnes. J'ai eu depuis quelques semaines des concitoyens qui ont exprimé des préoccupations quant à l'organisme qui va gérer. Et comment est-ce qu'on va gérer les fonds du RRPO? Réponse de la ministre, merci de la question. Monsieur le Président, dans nos mesures législatives, on a démontré notre engagement que le RRPO va ressembler à certains des aspects du régime de retraite du Canada. Donc, en Ontario, on a les régimes de retraite les mieux respectés, comme on a dit dans le New York Times cette semaine. On va utiliser l'expertise et l'expertise du service financier. L'ancien dirigeant d'Omers va travailler là-dessus. Il va donner des conseils sur la création de cette entité administrative et de cette capacité d'exploitation. J'ai hâte de continuer à travailler avec M. Norberga et d'autres experts du comité consultatif pour créer le meilleur plan pour la population ontarienne. La députée d'Haliburton-Court de Lakesborough. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Des équipes de santé familiale perdent leur personnel qualifié et ont des difficultés à trouver des remplacements. Ces équipes qui donnent de bons services dans l'Ontario rural voient leur personnel sortir pour travailler dans des hôpitaux, des casques et dans les soins de longue durée où la rémunération est plus élevée. Quels sont vos plans pour pallier à ce problème? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée.
D'abord, je suis très fier du travail que tous les travailleurs de première ligne font. Ils sont là souvent quand les gens ont le plus besoin pour donner des services essentiels. Quand on étudie les soins de santé, il faut voir quels sont les défis. Parfois, on a des problèmes de recrutement et de rétention du personnel. Et on cible des secteurs spécifiques. Plutôt cette année, on en a fait une annonce et on met en œuvre des mesures pour les préposés des soins personnels qu'on va augmenter leur salaire de 4 $ pour assurer qu'on puisse attirer les bonnes personnes dans ce secteur, dans cette profession importante, afin qu'on puisse recruter et les maintenir dans les environnements à domicile et dans les établissements. Et dans tout le secteur, on va continuer à adopter des mesures. Question complémentaire. Des équipes de santé familiale ont des fonds pour embaucher des gens, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne trouvent pas de gens. Et pour les infirmières praticiennes, par exemple, il y a un taux d'inoccupation, un taux de vacance de poste de 20 %. Comment est-ce qu'on peut fournir ces services? Quel est votre plan de pallier à ce problème de recrutement, cette crise, en fait? Réponse du ministre. Monsieur le Président, notre plan, c'est le contraire de ce que le plan de l'opposition était pendant les années 90, quand ils ont congédié plus de 6 000 infirmières. Depuis notre arrivée au pouvoir, plus de 24 000 infirmières ont été ajoutées à l'approvisionnement, à la dotation en personnel à l'échelle de la province. Plus de 10 000 infirmières et infirmiers autorisés ont été ajoutés. Et j'ai rencontré le groupe des infirmières praticiennes qui veulent travailler. Et on sait qu'il y a des défis dans certaines régions de la province. On a mené le chemin pour la construction des cliniques dirigées par des infirmières praticiennes. Et on va continuer à travailler avec toutes les infirmiers et infirmières pour qu'ils puissent trouver des emplois. Merci. Nouvelle question, la députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Finances. Monsieur le ministre, hier, votre gouvernement a proposé deux nouveaux projets de loi pour la retraite. Tout le premier, le régime de retraite pour la province de l'Ontario. Le deuxième, le régime de pension agréé collectif. Donc, c'est très intéressant de voir que le gouvernement se met dans l'esprit des vacances et qu'il propose des lois concernant la retraite. Mais malheureusement, les Ontariens ne sont pas impressionnés si facilement et j'aimerais donc comprendre de la part du ministre quelles sont véritablement les priorités de ce gouvernement. Est-ce que vous pouvez retirer votre question, s'il vous plaît? Je retire. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie la députée pour sa question parce que j'apprécie que la députée a écouté les annonces d'hier. Et la raison, nous avons présenté pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario un plan de pension, un système de sécurité qui nous permet de fournir plus de soutien et de choix pour les Ontariens. Donc cela, en fait, nous permet de fournir un programme qui va être mis en œuvre partout dans notre pays et qui va revoir le système. Et donc, nous aurions tort de ne pas ajouter, en fait, des suppléments pour ces plans de retraite parce que nous devons aider chacun dans notre province pour vivre en sécurité, pour vivre à des coûts efficaces, abordables. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. Le gouvernement a beaucoup à dire concernant le choix et la possibilité d'économiser de l'argent. Mais à peu près 50 % des Ontariens n'auront pas l'option et la possibilité de pouvoir participer à des plans de pension parce qu'ils ne pourront pas mettre de l'argent de côté.
Et donc, nous espérons que nous aurons la possibilité de pouvoir créer le meilleur plan possible. Donc, en tant que règle générale, il faut voir que le meilleur le plan est proposé, et bien le mieux les gens auront la possibilité d'économiser. Donc, nous voulons faire en sorte que les personnes vont pouvoir avoir l'occasion de pouvoir participer à ces plans. Est-ce que ce gouvernement a comme priorité la sécurité financière des banques et des assurances ou alors la sécurité financière des Ontariens? Le ministre. Monsieur le Président, la députée nous demande comment nous allons appuyer les Ontariens pour qu'ils puissent participer à ce plan de pension. Et j'espère que plus de gens partout au Canada vont pouvoir aussi. Vous avez voté contre ces mesures. Vous avez voté contre la possibilité de fournir aux Ontariens la possibilité d'économiser plus. Et maintenant, vous nous demandez comment nous allons appuyer. Nous offrons ce programme. Nous reconnaissons le bénéfice d'avoir un système qui permet à plus de personnes de pouvoir avoir un bénéfice venant des économies de la retraite. Et donc, cela inclut la possibilité d'avoir ces régimes de retraite de la province de l'Ontario, qui sont quelque chose qui vont venir et qui vont continuer. Ils ne sont pas obligatoires de toute manière. Merci. Nouvelle question. Député de... Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de la formation des collèges et des universités. Beaucoup de personnes ont besoin de suivre des formations qui sont nécessaires pour pouvoir accéder à des emplois actuels. J'ai discuté avec beaucoup de mes connaissants et de représentants de ces collèges et universités. En même temps, on cherche toujours de nouvelles manières de pouvoir recruter des personnes et de pouvoir former les personnes à un niveau très élevé pour qu'ils soient bien formés. Le gouvernement, avec les employeurs dans toute la province, comprend l'importance d'investir dans les compétences, la formation, et on reconnaît qu'il n'y a pas de panacée qui soit adaptée pour chacun, mais il faut s'adapter aux différentes situations de l'économie. J'ai discuté avec des représentants des collèges et des universités concernant les situations difficiles actuelles. Nous avons vu qu'après plusieurs mois de leadership de notre gouvernement, nous avons eu la fierté d'annoncer de nouveaux programmes. Merci. Le ministre de formation des collèges et des universités. Merci. Je remercie la députée de Kingston pour sa question et je suis ravie de pouvoir annoncer que beaucoup d'entreprises en Ontario maintenant peuvent bénéficier de bourses qui vont leur permettre d'investir dans la formation de leur force de travail. La bourse de l'Ontario pour l'emploi va permettre donc aux employeurs d'avoir des employés qui soient mieux formés, plus compétents. Et grâce au travail très dur que nous avons mené, nous avons la possibilité de mettre en œuvre cette bourse et de faire en sorte que les travailleurs les plus vulnérables ne soient pas laissés de côté. Monsieur le Président, nous avons notre force de travail est notre bien le plus précieux dans cette province. Et donc, nous devons faire en sorte que chaque Ontarien puisse contribuer à notre économie. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre, pour nous avoir donné des informations concernant ces bourses qui vont permettre aux employeurs de former leurs employés et pour qu'ils puissent faire des emplois de haut niveau. C'est très intéressant de voir que ce gouvernement a assumé un rôle de leadership pour pouvoir moderniser la force de travail en Ontario. Je sais que dans ma circonscription de Kingston, nous avons des exemples excellents de programmes qui aident les petites entreprises et les emplois locaux. Et surtout, par exemple, pour ce qui concerne le Collège Saint-Laurent, qui a des programmes concernant la maçonnerie et concernant le soutien technique, la gestion ou aussi pour ce qui concerne les emplois dans le domaine de l'énergie. Donc, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous en dire plus concernant ce que notre gouvernement fait pour pouvoir avoir un retour d'information de la part des employeurs de notre province pour savoir quels sont les besoins spécifiques dans ce domaine? Le ministre. Merci, Monsieur le Président.
Je souhaite remercier la députée pour sa question. Encore une fois, nous travaillons avec la Chambre de commerce de l'Ontario. Nous écoutons les entreprises de l'Ontario et nous agissons ensuite. Nous essayons de rendre plus facile aux petites entreprises de participer à la Bourse de l'Ontario pour l'emploi et pour qu'on puisse mettre en œuvre de nouveaux programmes de formation. Nous demandons aux employeurs de nous aider à créer de nouvelles initiatives également. Une de ces initiatives est l'initiative de formation dans des secteurs spécifiques et la deuxième initiative est une initiative pilote qui va fournir une formation technique pour les travailleurs vulnérables partout dans la province de l'Ontario. Monsieur le Président, l'emploi et la formation vont nous aider à améliorer la situation au bon moment et pour les bonnes personnes en Ontario. Merci. Député de Perth Wellington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Récemment, en réponse à une question du député de Cambridge, le ministre a dit « Je suis fier de dire qu'avec notre gouvernement, chaque Ontarien qui a le diabète, s'il veut un médecin de famille, il pourra en avoir un. » Est-ce que le ministre peut retirer sa déclaration? Le ministre. Dans une province avec 13 millions de personnes, c'est toujours un défi, c'est toujours difficile de pouvoir fournir chaque niveau de soins à chaque personne à chaque moment. Mais sans doute, Monsieur le Président, nous avons fait beaucoup de progrès pour ce qui concerne la stratégie contre le diabète et nous avons donc un objectif qui fait que nous voulons que chaque Ontarien touché par le diabète puisse avoir les soins dont il a besoin. Et donc, nous sommes très motivés à travailler avec les députés d'en face s'ils peuvent nous aider encore à améliorer cette situation. Question complémentaire. Monsieur le Président, dans ma circonscription, les personnes affectées de diabète passent beaucoup d'heures aux urgences pour pouvoir accéder aux soins dont ils ont besoin. C'est le show, en fait, le spectacle que le ministre nous donne chaque jour est complètement en dehors de la réalité, ne correspond pas du tout à la vérité. Il y a deux semaines, nous avons donc assisté à une rencontre avec certains personnes qui nous ont expliqué qu'ils n'ont pas de médecin. Alors, qu'est-ce que ce ministre attend pour pouvoir éviter que les gens aient des listes d'attente de plusieurs années pour avoir un médecin? Le ministre. Monsieur le Président, nous faisons tout ce qui est possible pour pouvoir fournir un médecin aux personnes et peut-être que nous avons maintenant 94% des personnes qui ont un médecin. Donc le pourcentage de personnes sans médecin de famille est relativement bas. Et bien sûr, l'objectif est que chaque famille en Ontario puisse avoir un médecin de famille. Donc que ce soit un médecin de famille ou que ce soit un infirmier qui peut leur fournir les soins, il faut que la personne puisse avoir les soins dont il a besoin. Nous avons fait beaucoup de chemin concernant les nouveautés dans le domaine de la santé et c'est un domaine qui est très important. Donc les personnes qui n'ont pas encore de médecin de famille doivent pouvoir en avoir un, doivent pouvoir être connectées au système de santé et doivent pouvoir bien sûr avoir un système qui ne les laisse pas de côté. Nouvelle question. Question au ministre du Travail. Monsieur le Président, hier, nous avons eu des informations de la CESPAT qui nous ont fait comprendre que les entreprises qui ont été condamnées à cause de violations concernant la santé et la sécurité au travail n'est pas d'indemnité. Donc, est-ce qu'on doit nier aux travailleurs ces bénéfices? Alors, pourquoi il y a des changements dans la politique et pourquoi on envoie des chèques aux sociétés qui ne respectent pas les normes en vigueur? Le ministre. Merci au député pour sa question. J'ai pu participer à la réunion hier, effectivement, et j'ai participé donc à cette rencontre avec beaucoup de travailleurs blessés. Alors,
Nous avons vu que chaque gouvernement essaie toujours d'améliorer la situation et souvent nous parlons donc de la prime qu'on doit payer, mais je pense que ce qu'on doit faire est de se rappeler ce qui est important de faire pour aider les travailleurs qui ont été blessés. Donc, nous menons des rencontres, la CESPAT fait une révision de ses politiques et nous menons des consultations avec la communauté des travailleurs blessés et nous consultons également les entreprises et les employeurs. Je suis content du processus que nous avons mis en œuvre et nous allons l'améliorer encore dans cette province. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie le fait que le ministre reconnaisse la signification historique de ce que nous avons pour ce qui concerne la CESPAT parce que c'est quelque chose d'important. Mais nous avons donc, par exemple, 13 travailleurs ont abandonné leur droit de recevoir des indemnités tout simplement parce que c'était trop compliqué. Et donc, il faut savoir ce que les travailleurs peuvent attendre de ce gouvernement. Mais c'est malheureusement ce qui ne se produit pas à la CESPAT en ce moment. Et donc, je pense qu'il faut reconnaître cela. Il y a des politiques qui sont injustes et qui vont contre le travail et qui sont mises en œuvre par cette Assemblée. Alors, quand est-ce que ce gouvernement va garantir que les travailleurs blessés aient le respect et la dignité qu'ils méritent, le ministre? Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour sa question complémentaire. Nous sommes tous d'accord dans cette Assemblée que les travailleurs blessés de cette province méritent d'être traités avec respect, avec dignité. Je ne pense pas que ce soit la question. Souvent, parfois, la CESPAT revoit ses politiques et ses pratiques et donc écoute les commentaires des personnes pour la révision du système. Il parle aux personnes de la communauté des travailleurs, il parle aux personnes de la communauté des employeurs, et parfois met en œuvre un système qui améliore donc le système dans la province. Souvent, donc, on écoute ces personnes et donc, par conséquent, des changements sont appliqués aux politiques. Et donc, très souvent, on va de l'avant avec les informations qui viennent aussi des trois partis, souvent les informations qui viennent des partis d'opposition et nous mettons en œuvre tout ce qui est nécessaire pour améliorer la situation. Le député de Etobicoke Nord. Honorable Helena Jacek. Minister, as you will know, last... Ministre, vous savez que l'année dernière, nous avons célébré que nous avons célébré la journée des personnes avec des disabilités et nous allons encore célébrer donc cette journée. Donc cela fait que nous ne devons pas discriminer ces personnes chaque jour et c'est très important dans ma circonscription d'Etobicoke Nord. Votre ministère a pris une position très importante dans la reconnaissance des personnes qui ont des incapacités pour que ces personnes puissent avoir les mêmes opportunités que le restant des Ontariens. Donc cela nous a permis de proposer une loi au moins il y a 10 ans. Alors, ministre, je vous demande de médecin à médecin, qu'est-ce que ce gouvernement fait pour aider les personnes handicapées dans notre province? La ministre. Et merci au député de Etobicoke Nord pour sa question. The work our government has done... Le travail que nous avons fait et que nous allons continuer de faire est quelque chose qui concerne les droits humains et la qualité de vie des Ontariens. En tant que ministre des services sociaux, je désire reconnaître notre engagement pour faire en sorte que les personnes handicapées en Ontario soient bien soutenues. Notre gouvernement, par le passé, s'est beaucoup amélioré pour les programmes concernant les personnes handicapées. Alors maintenant, chaque personne peut avoir un soutien économique également d'au moins 200 dollars pour pouvoir accéder à plus de à plus d'aide. Et donc nous avons donc augmenté ce soutien et nous avons donc essayé également d'aider ces personnes à trouver de l'emploi pour justement ces personnes puissent accéder à le travail. Donc nous avons investi plus d'argent pour que les personnes puissent réaliser. Question complémentaire. Merci. Alors nous savons qu'il y a des changements qui vont faire une différence importante pour les personnes pour qu'elles puissent trouver un emploi. Beaucoup de
agences dans ma circonscription font un travail excellent pour aider les personnes et pour que les personnes puissent être bien intégrées dans l'économie. Toutefois, il reste des choses à faire parce que les personnes ayant des handicaps se trouvent face à des difficultés importantes. Par exemple, en Ontario, une personne sur sept a eu un certain type de handicap. Donc, ça veut dire 62 000 adultes et 28 000 enfants. Donc, il faut aider ces personnes à avoir une vie pleine et une vie active. Alors, comment ce gouvernement aide les personnes qui ont des problèmes du développement pour qu'ils puissent réaliser leurs objectifs et trouver un emploi? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Notre objectif est de pouvoir transformer le soutien pour les personnes ayant un handicap. Ça veut dire que ces personnes peuvent avoir accès à l'assistance dont ils ont besoin pour qu'ils puissent avoir les mêmes opportunités dans notre économie et dans notre province. Récemment, un fonds pour la modernisation de l'emploi a été intégré pour pouvoir créer de nouveaux emplois pour les personnes qui ont des problèmes du développement. C'est quelque chose qui arrive à 15 millions de dollars pour les trois prochaines années, qui va nous permettre de créer un environnement pour les personnes qui ont des problèmes du développement pour que ces personnes puissent trouver un travail compétitif et pour qu'ils puissent contribuer à la croissance économique de notre province. Nous avons déjà reçu 260 demandes de la part d'agences et les personnes qui vont avoir du succès dans leurs demandes vont être annoncées bientôt. Nous devons être sûrs que tous les Ontariens puissent atteindre leur potentiel. Nouvelle question. Député d'Etobicoke. Merci. Question, ministre de l'Éducation. Dans le projet de loi 10, il y a eu une motion d'attribution de temps sans consultation et sans pratiquement aucun débat. Alors, le député de Glengarry avait informé la Chambre qu'il ferait partie d'une table ronde pour étudier de nouvelles normes. Est-ce que vous pouvez informer la Chambre quand est-ce que ces discussions vont avoir lieu et si cela va inclure les membres de la coalition et si jamais et également les personnes qui fournissent des soins de santé aux enfants? Alors, si jamais ce n'est pas le cas, quelle est votre intention? La ministre. Oui, ce qui va se produire est que nous avons donc deux réglementations qui vont être discutées grâce à ce projet de loi et un des amendements qui peut intéresser les personnes et que nous avons inclus dans ce projet de loi était de mettre noir sur blanc le fait que les nouveaux règlements pour les soins de santé à la maison pour les enfants vont avoir une période de transition d'un an à peu près, donc il faut que ce soit clair pour chacun. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que il y a beaucoup de réglementations et de normes qui doivent encore être discutées et que nous allons évaluer. Nous allons nous opposer à certains sujets. Je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que ce n'est pas pour vous quelque chose d'honteux, la manière par laquelle ce projet de loi a été accéléré? Il a fait en sorte que vous étiez allé à Ottawa et que nous avions 93 modifications adoptées sans débat. J'aimerais vous remercier tous les deux parce que nous avons de bons candidats pour notre parti à cause de la manière que vous les avez traités. Alors, je vous pose la question une autre fois. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la table ronde se produise et est-ce que les fournisseurs indépendants seront inclus ou non? Je veux une réponse. Vous ne répondez jamais à la question. Vous avez parlé des modifications, mais vous ne m'avez jamais répondu. La ministre. En fait, j'ai fourni une réponse. Lorsqu'on affiche quelque chose pendant 45 jours, ça veut dire qu'il y a une période de 45 jours durant laquelle n'importe quel membre du public qui aimerait parler du dérèglement soit en mesure de le faire. Et c'est ça ce que mon adjoint parlementaire s'est engagé à faire. Qu'il y aura des consultations lorsqu'on affiche une réglementation. Et faites-nous confiance, nous le savons.
Nous recevons des centaines de réponses et nous effectuons une analyse de ces réponses et puis on change les réglementations. C'est ça l'objectif des consultations, mais c'est intéressant de comprendre le vrai intérêt dans le projet de loi 10. Il voulait avoir plus de députés conservateurs. Nouvelle question, député de Windsor, Tecumseh. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Bonjour, Madame la Première ministre. L'intérêt au sud-ouest a des paysages extrêmement belles, y compris des terrains agricoles. Le député de Simcoe Nord à l'ordre. Député de Glengarry Prescott Russell à l'ordre. Veuillez terminer votre question. Merci, Monsieur le Président. À la Première ministre, je parle des terrains agricoles dans le sud-ouest de la province qui nourrit les nappes phréatiques. Ça inclut aussi le Marcellus Shale, la formation rocheuse qui a des exploitations de gaz de schiste qui ont endommagé l'environnement. Récemment, le gouvernement de plusieurs provinces ont pris de l'action afin de s'attaquer à cette menace environnementale. Est-ce que le gouvernement va suivre leur exemple en introduisant un moratoire sur cette forme de pétrole, d'extraction de pétrole? Ministre des Richesses naturelles et des Forêts, je remercie le député pour sa question et je me demande si on entendrait une telle question dans la Chambre. J'ai demandé à mon personnel de me fournir autant d'informations que possible. S'il y avait une telle question au sujet de cela, je sais que le ministre de l'Environnement prend très au sérieux cette question. Ce que je peux vous dire, si il y a une nécessité d'aller de l'avant avec ce projet de loi. Il y a la loi sur le gaz et le pétrole. Ça doit changer avant de permettre de telles opérations. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune demande que nous avons reçue qui sont actuellement devant mon ministère ou devant n'importe quel autre ministère. Alors, il n'y a rien devant nous. Et si on aurait une telle demande, ça exigerait des changements législatifs. La compagnie Lone Pine poursuit en justice le gouvernement québécois en vertu de l'accord sur le libre-échange de l'Amérique du Nord. Lone Pine croit qu'il a le droit d'avoir une telle opération dans le fleuve Saint-Laurent. Si l'Ontario ne prend pas de l'action, les autres compagnies vont vouloir effectuer de telles opérations et ils auront le droit de le faire avant qu'on aille effectuer une analyse environnementale. Il y a plusieurs compagnies qui aimeraient le faire dans le sud-ouest de l'Ontario. Est-ce que le gouvernement va établir un moratoire avant qu'il soit trop tard? Le ministre. Comme je l'ai dit à ma connaissance, et je vais le confirmer, mais j'ai posé cette question. S'il y a des personnes qui aimeraient avoir de telles opérations, des changements législatifs seraient nécessaires. Alors, si c'est exact, ça voudrait dire qu'un moratoire n'est pas actuellement nécessaire. Étant donné que le député a soulevé la question, je vais m'y pencher, mais actuellement, l'information qui m'a été fournie indique qu'actuellement, de telles opérations ne peuvent pas se produire sans changement législatif. Nous avons une mise aux voix différée pour la troisième lecture du projet de loi 8, loi visant à promouvoir la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés par l'édiction de la loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic et la modification de diverses lois. Sonnerie de 5 minutes.
les députés de s'asseoir. Veuillez prendre vos places. Le sergent d'armes vous recherche. Le 8 décembre, Mme Matthews a proposé la troisième lecture du projet de loi 8. Tous ceux qui sont pour, levez-vous et restez debout. Mr. Mackey, Mr. Bradley, Mr. Shirelli, Madame Mayer, Mr. Souza, Ms. Wynn, Mr. Hoskins, Ms. Sandals, Mr. Duguid, Ms. McCharles, Mr. Quinter, Mr. Cole, Mr. Takar, Mr. Berardinetti, Mr. Dillon, Mr. Quadri, Mr. Rossetti, Mr. Gravel, Mr. McMeekin, Mr. Chan, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Leal, Mr. Flynn, Mr. Zimmer, Mr. Delaney, Mr. Balkison, Ms. Albanese, Mr. Dixon, Ms. Manga, Mr. Kraft, Ms. Wong, Ms. Hunter, Mr. Sergio, Mr. Morrow, Ms. Jassy, Mr. Del Duca, Ms. Domerla, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Madame Lalonde, Ms. Molly, Mrs. McGarry, Ms. McMahon, Mr. Milchin, Ms. Naidu Harris, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Ms. Verniel, Mr. Urich. Mr. Arnott. Mr. Hardiman. Ms. McLeod. Ms. Elliott. Mr. Wilson. Mr. Jakubowski. Mr. Clark. Mr. Miller Perry Sound Muskoka. Mr. Dunlop. Mr. McNaughton. Ms. Jones. Mrs. Monroe. Mr. Bailey. Mr. Hillier. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Nichols. Ms. Marteau. Mr. McDonnell. Mr. McLaren. Mr. McLaren. Mr. Pettipies. All those opposed. Tous ceux qui sont contre, levez-vous et attendez d'être appelés. Ms. Fife. Ms. Bisson. Ms. Horvath. Mr. Vantaugh. Madame Jelinas. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Ms. Sattler. Ms. Taylor. Mr. Nadishak. Ms. Armstrong. Mr. Singh. Ms. Forrester. Mr. Mantha. Mr. Hatfield. Mr. Gates. Ms. Gretzky. Ms. French. Non, 17. Oui, 77 et les non 77, je déclare la motion adoptée. Le projet de loi est intitulé comme dans la motion. La séance est levée jusqu'à 15 heures.